Bienvenue, c'est Prince Artanis, la guilde Exode, et entre deux donjons à ma moule qui m'ont permis de monter niveau 93 en rushant un petit peu avec des mecs de la guilde. Entre autres, j'ai décidé de faire une petite pause pour aller chercher ma monture, puisque dans la boutique, j'ai déjà acheté un dragon d'estrier distance et quelques croquettes de croissance. Donc là, du coup, il faut que j'aille à Astrup Centre. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, je vais mettre un petit peu de son quand même. J'espère que ça va pas trop ramer. On aura un peu de son quand même. Du coup, pour faire la quête, pour avoir la Dragodonde, la quête entière, je vais essayer de la faire le plus vite possible. Il faut se rendre donc à Astrup Centre dans cette zone par là. On dirait que ça a changé, mais bon. D'habitude, c'était par là. Là, on va. Ah, voilà, ça n'a pas changé. C'est par là. On va parler à Melmac. Melmac, bonjour, salut toi, qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Vous n'auriez pas entendu parler de Dragodon sauvage? Ouvre les yeux, il y en a juste à côté de toi, dans l'enclos, et on est même en surpopulation. Les compagnies Drago Express a déjà récupéré ce dont elle avait besoin, il en reste encore plein. Génial! Il paraît que les Dragodon font de très bonnes montures. Tu crois que je pourrais en récupérer une s'il y en a trop? Oui, c'est sûr que ce sont de très bonnes montures, enfin, pas toutes. Mais une Dragodon, c'est pas un chacal. Non. C'était un point d'exclamation, j'ai cru que c'était un L. Ok, le mec, ok! Ça nécessite bien plus de soins que l'entretien, surtout si tu veux la dresser et la monter. Ah! Et vous ne pourriez pas vous m'apprendre à entretenir une Dragodon et apprendre à dresser, ce serait un truc. Un très bon moyen de transport. Oui, c'est possible, mais c'est un travail. Très bien, on fait comme ça. Alors, quels sont les livres et où puis-je les trouver? Donc là, on me demande d'aller fouiner des livres. Donc, on ouvre la carte. Les livres se trouvent. On va mettre la boussole, puisqu'en fait, là. Près de Jean-Ri Owens. Donc là, oui, il y en a un qui est au temple. Donc, déjà à côté, tout de suite. C'est vrai que ça fait long à courir sans la Dragodinde. Au bout d'un moment, ça devient un peu relou. Ça fait légèrement relou. Du coup, ça me fait plaisir tous les commentaires qu'il y a eu, etc. Il y a même des gens avec qui j'étais un peu fâché qui sont venus me souhaiter bon retour et tout. Franchement, ça fait plaisir. Est-ce que je pourrais vous dire à part ça sur le Sadida? Oula, je suis allé trop loin en fait. Sur le Sadida, franchement, c'est une très bonne classe. C'est sûr qu'au niveau dégâts, c'est pas le top du top, mais c'est bien parce que ça retire des PM, ça heal et tout, c'est pas mal. Après, s'il y a des gens qui connaissent vraiment bien le Sadida, je suis un peu preneur sur certaines questions, par exemple comment se soigner soi-même. Parce que c'est bien de soigner les gens, mais. Je suis souvent dans la merde et je peux pas me soigner moi-même en fait avec le build, enfin le pseudo build que j'ai fait. Donc voilà, j'aimerais bien savoir. Pour info, j'avais pris donc les deux sorts eau, c'est lame Sadida et drainage. Les deux seuls sorts eau que j'ai pris. Donc là maintenant, la suite donc de cette quête, il faut aller. Non, c'est pas là. Il faut aller. Allez, on va mettre ça. Je crois qu'il y a un tas de feuilles là-bas au fond. Voilà. Fouiller dans les feuillages. Si vous les avez pas, vous mettez votre boussole. Hein, vous cliquez droit sur la quête en question. Vous cliquez sur la petite boussole ici. Et vous allez pouvoir vous y rendre tranquillement. Le seul truc qui est difficile, c'est d'avoir de la patience. Pour le moment. Parce qu'après, il faudra encore plus de patience quand il faudra attraper la Dragodinde. Et vu que je ne l'ai pas fait depuis bien 6 mois ou 7 mois, je sens que ça va être marrant. Je sens que ça va être très marrant. Alors, on va fouiller ce petit buisson. Monsieur Buissonnou. Profitez pour. Que s'est-il passé? Ah, c'est bon. Il faut rapporter à sa coche. Ah, Monsieur Jones, Diana Jones.
Espérant que le costume que m'a offert Wuju vous déplaise pas. C'est vrai que le Sadi il ressemble à Chi là en fait. On dirait un escroc déguisé en. On dirait un escroc déguisé en bourgeois, histoire de commettre un petit crime vite fait. Hop hop. Il y a de nombreuses personnes qui ont rejoint la guilde d'Exode en fait, mais autant vous le dire, on va continuer à recruter. Peu importe votre niveau, si vous recommencez de zéro ou quoi, on essaiera de vous aider. Venez. Venez, venez dans Exode. Vous allez vous amuser. Vous allez vous amuser, on a le team speak, on a tout ce qu'il faut. Bon, je crois que j'ai fini au niveau de cette quête-là. Ensuite, obtenir un livre auprès du chef Bologno. Bon bah ça je sais c'est où, c'est dans les cuisines. Les cuisines, c'est par là à peu près. C'est pas réserve des mercenaires. Alors, de toute façon, je vais pas me casser la tête, je vais faire tout comme tout à l'heure. Voilà, monsieur Bologno. Ouais, j'avais raison, c'était à peu près là-bas. Et le contremaître Piochito. Piochito, il est. Il est en bas. Donc. Par chance, j'avais un peu les dragons d'Inde. Donc, je vais directement. Merci de prendre cette dragon d'Inde. Là, ça commence un peu à bugger là. Je suis désolé pour les frises, hein. Vous connaissez, hein, au bout d'un moment, faut quitter et relancer le jeu. Sauf que maintenant que je suis en vidéo, j'ai un peu la flemme. Surtout que ce sera pas mieux à mon avis. Là, là, je crois qu'il m'a demandé de faire un truc en fait. Fabriquer 5 lingots bruts. Et rapporter 5 lingots bruts au contremaître. Donc là, on va faire nos lingots bruts. On reviendra encore une fois plus tard sur les métiers, etc. Même si, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller sur le site princeartanis.fr. Ensuite, vous avez des catégories de vidéos. Parce qu'on appelle ça des playlists. Et par exemple, si vous cliquez sur Astuce XP, vous allez avoir la quinzaine de vidéos où vous allez apprendre énormément de choses en fait sur le jeu, sur les astuces en général, comment se faire des kamas, etc. On y reviendra quand même. Après, comme vous devez déjà le savoir, il y a des astuces qui marchent à une certaine période, qui marchent plus à d'autres périodes. Parmi les 15, je pense que vous allez bien en trouver une qui marche encore. Faut juste réfléchir un petit peu avec votre tête. Et actuellement, je vous en donne une là comme ça en live. Ce qui marche bien, c'est le pain. Puisque c'est par exemple 60 000 kamas les 100. C'est juste énorme. C'est énorme, énorme, énorme pour. Du pain, normalement le pain de seigle il est à 20 000 maximum, 25 000. Là on est à plus du double. Donc c'est le plus rentable. Actuellement c'est le plus rentable. Allez, monsieur Bologno qui va nous donner le truc. Voilà, maintenant, ah, faut se rendre dans la réserve. Allez, on va aller poutrer du rat. Et combien je fais un one shot? Il va être content. Il va être content! Il est dans la vidéo! Il est dans la vidéo! Jeanne LXV. Ah! Ok. Ok! Je suis désolé s'il y a mon petit bébé qui pleure. Il est fatigué, il n'a pas assez fait. Pas assez fait longtemps la sieste. Abonnez-vous à Artanis. Hop.
Hop, on va juste faire ça quand même, ça serait bien. Alors, on y va. Retournez voir le chef Bologno. Oh là là, je crois que j'ai fait une goulette, puisque le chef Bologno, il est là. Enfin, faut pas suivre la boussole, puisqu'elle va vous envoyer dans des endroits où vous auriez dû aller avant, où vous n'êtes pas allé. J'ai encore les quêtes des nations sur Astrub. Donc je les ai pas tellement faites, j'essaierai de les faire en vidéo. Hein. On va essayer de tout refaire en fait en vidéo. Donc là, faut retourner voir Melmac. Je suis en train de prendre le plus mauvais des chemins. Qui c'est qui veut de la barbe? Vous voulez de la barbe? Je suis sûr, en fait, on entend tout, même quand je me gratte, même les clics de la souris. Dieu sait que je passe ma vie à cliquer, moi. C'est une mauvaise habitude de Diablo 1. StarCraft, premier du nom. Je passais par derrière, quel boulet. Donc oui, je me suis pas présenté. Je suis level 93. Tout de suite, tout de suite. Encore, j'ai pas été vite, hein, je vous dis franchement. Alors, faudra trouver Tati Hachem. Pourra te renseigner. Je crois elle est par là, elle. Ah, voilà, je savais. Je le savais, je le savais. Je passe ma vie à marcher en fait dans ce jeu. Oh tiens, raccourci. Toujours bon à prendre. Bah ça tombe bien, je vais pouvoir répondre. Entre ceux qui m'ont filé. Pas refusé, hein, c'est des cadeaux. Un cadeau, ça se refuse pas. C'est une question de principe. Entre ceux qui m'ont filé des camas. Par exemple, Chaise Bancale qui s'est barré, qui m'a lâché 8 millions. Ceux qui m'ont filé. Des stuff, le snoof, histoire d'aller faire des camas en minant. Comment s'appelle le fantôme, histoire de dropper. La dragoon pour avoir de l'XP. Au final, je me suis retrouvé avec vraiment pas mal de choses. Et ça fait plaisir, donc merci à eux déjà. Après, ça va me permettre de bien me stuff, donc. Enfin, de bien me stuff, non, mais de bien recommencer, quoi. Minimum. Après, si vous voulez des astuces Kama en partant de 0-0, moi, j'allais pas repartir de 0. Franchement, j'ai déjà tout fait dans ce jeu. Enfin, jusqu'au niveau 175, bien sûr. J'allais pas repartir encore une fois de 0, alors que je l'ai fait je ne sais pas combien de fois. Donc, évidemment, je préfère faire largement. Ah, vous n'avez pas le métier. Il faut peut-être faire ça, non? Ouais, si, c'est ça. Impossible de fabriquer avec. Je suis sûr que c'est mon inventaire qui est plein. J'ai pas envie de jeter les glaçages. C'est quoi ça, histoire de Dragon Online? Mais vas-y, en fait, là, il m'a donné 3 livres, le mec. Il m'a pris pour un pour une bibliothèque ou quoi? Voilà, après, niveau sagesse, donc fiole de sagesse, bien sûr. La dragoon qui donne encore 20 sagesse. Et après, bon, bah là, les épaulettes qui donnent 15 sagesse. L'épée du Darkblade qui donne 6 sagesse. Et après, je crois que c'est tout. Ça doit être tout, ouais, pour le moment, c'est déjà très très bien. Donc.
Bah tant mieux, ouais, parce que de toute façon. Bon, par contre. Porter 5 fils bruts. Mais je crois que je me suis fait arnaquer en fait. Parce qu'elle m'a demandé 5 fils bruts et moi j'ai fabriqué des arômes chardonnay avec ces trucs. Rien à voir, vraiment rien à voir. Le truc il était juste là, je l'avais pas vu. Oh l'arnaque. Oh là là, l'arnaque. Mais du coup, en fait, je me suis fait arnaquer. Je suis obligé d'aller acheter à l'HDV. Suis obligé d'aller acheter. Oh là 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 là, le spam, quoi. Donc, tailleur, fil brut. Ouh là 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 là. Ah, c'est un honneur partagé. Donc, je vais récupérer. Bah, je crois que le seul moyen de fabriquer des fils bruts là, c'est poil de chacha. Donc, il en faut 3 x 5, 15. Et bien sûr. Oh non. Dis-moi pas qu'il y a que. Putain, oh, c'est pas donné, hein. Sérieusement, y en a qui sont du blé, là. Et chardon couronné. Voilà, chardon couronné. En faut 15 aussi. Voilà. Donc on va aller vers l'atelier de tailleur, puisque suite à ma boulette, je suis obligé de refaire les fils bruts. Voilà, impeccable. Je vais pas me casser la tête, je vais prendre le zap directement dans ce centre. Cas où, plus tard, j'ai envie de faire une team de héros. Si vous avez des conseils à donner pour une team qui pourrait accompagner le Sadida, à mon avis, vu que j'ai un soutien, ça va être Dorox. Mais bon, si vous avez des idées, faites votre proposition. Alors, voilà les fils bruts. Bon, ça c'est bon. Récupérer la selle et les rênes auprès de Tati. Ok, bon. Merci, t'aurais pu me les donner directement par contre. Hein. Voilà. Merci à vous. Retournez voir Melmac. Là, on connaît le chemin. Monter là-haut, c'est un piège. Là, j'avais raison. Hop. C'est important de, même si je spamme un peu la carte, c'est important de voir où on se trouve par rapport à l'objectif. Des fois, c'est un peu relou de se balader dans certaines maps. Bon, après là, Astrup, c'est vrai que j'abuse parce que je connais un peu. Je connais cette île par cœur.
Très bien. J'ai les rênes. On y va.